Et salut les amis, c'est Flamme et bienvenue sur la chaîne Les Petits Phoenix. On se retrouve comme chaque mercredi pour une nouvelle ouverture de Booster Pokémon. Et j'ai pu ravoir une petite ETB qu'on avait déjà ouvert mais dans l'autre version de Pokémon Écarlate et Violette, Force Temporelle. Donc on a l'autre version de l'ETB qui va avoir le même esprit de ce qu'on avait ouvert il y avait quelques semaines. Et j'avais envie de vous présenter cette petite ETB et puis faire un meilleur tirage de ce qu'on avait pu obtenir sur la série de Force Temporelle, qui est une série assez sympa. Pas forcément la meilleure, mais ça reste quand même très très bien. Donc on a voilà la petite ETB avec, j'arrive jamais à retenir son nom, alors c'est Suicune, c'est du temps passé de Suicune, j'arrive jamais à retenir son nom, qui est vraiment pas mal, et on va pouvoir ouvrir cela. Donc pour m'encourager les amis, je compte sur vous les petits j'aime et les commentaires, ça soutient vraiment la chaîne, je compte sur vous, et on va pouvoir découvrir ce petit contenu qui m'a l'air bien bien sympathique. Alors je me suis mis directement au dos de cette boîte pour voir un peu le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc on a bien entendu les 9 boosters de la série Écarlate et Violette Force Temporelle, donc ce qui est plutôt pas mal. On peut avoir quand même de très belles merveilles, je crois qu'il y a un peu plus de 6 alternatives, que ce soit sur les Pokémon du temps passé ou du temps futur. On a bien entendu la carte promo brillante qu'on peut voir juste en haut à droite, juste ici, qui est Flotte Mèche, hein, donc un bon petit clin d'œil à Feu Forêve, Magie Rêve. Hein. On a également les 65 protège cartes. Ah voilà, c'est Serpente Eau, je cherchais son nom. Serpente Eau ou Vert de Fer, voilà, c'est les deux versions. Donc là, on est sur Serpente Eau. Alors, je pense forcément à Suicune, parce qu'il me fait tellement penser à Suicune, cette carte, hein, mais il s'appelle bien Serpente Eau. Hein. Pour cette version de TB, on a bien entendu un guide du jeu de l'extension Écarlate et Violette Force Temporelle. Les 6 dés de marqueur, le dé de lancer qui est autorisé en compète, hein. Les 2 marqueurs d'état spéciaux en plastique, c'est même le préciser en plastique, ça peut être en ferraille, en bois, et un coffret de collection avec 4 séparateurs, les 4 séparateurs qui sont juste ici, hein. Les protège cartes ils sont là, et une carte code pour le JCC de Pokémon Live, si jamais vous jouez via Android, c'est vrai que ça peut être pratique. Moi j'ai joué pendant un petit moment, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Maintenant je suis vraiment basé sur la collection des cartes Pokémon, hein. Même si le jeu société reste très très bien, que vous pouvez faire soit, bah, comme ils disent, en compétition ou en virtuel en rentrant ces codes. Et ben on va passer à l'ouverture, c'est parti. Alors avant de le déballer complètement, d'enlever son blister, je commence un petit peu. Je remonte un peu la devanture de cette ETB. Et c'est vrai que Suicune, bah, pour ceux qui me suivent un petit peu, hein, depuis que je fais des ouvertures, je parle beaucoup de la deuxième génération, mais c'est une génération qui m'a plu. Et je trouve que c'est un bon petit clin d'œil qu'ils ont fait avec Serpente Eau. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ouais, on a les 3 chiens légendaires dont Suicune qui a été mis en valeur. Enfin Suicune, Serpente Eau. C'est vrai que j'ai du mal à me dire il y a les temps passés. Quand je le vois, je pense directement à Suicune. Peut-être est-ce que avec le temps je vais réussir à me détacher de tout ça. Mais la 2G, elle est intégrée dans ma tête, ça ne sort plus, ça ne bouge plus. Allez, on va découvrir cette ETB. Alors, je vais enlever son petit blister, ce palpi. Alors, voilà. Comme ça, il y a un peu moins de surbrillance. On aura peut-être un petit peu avec l'éclairage, mais c'est pour qu'on voie bien les cartes et que ce soit plus agréable visuellement pour la vidéo. On va regarder un peu le fourreau, comment il se présente, le petit père. Donc, je vais mettre le TB ici. Hop là, j'avais oublié qu'il y avait le guide de jeu. Donc, le petit fourreau. Alors, j'aime bien des fois, ils mettent des petits designs à l'intérieur qui peuvent être sympatoches. Hein. Après, on voit pas forcément grand-chose. On voit Serpente Eau. Alors, je dis Viridium, Colbatium, tout ça, mais c'est pas vraiment eux. Je retiens jamais leur nom des temps passés, temps futurs. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas à retenir leur nom de temps passé, temps futur sur Pokémon Écarlate et Violette. C'est impressionnant. Après, on peut les avoir dans le guide. Alors, le guide, j'avais déjà présenté de la première ETV. On avait celui-ci qui était mis en valeur. Là, je vois Raikou, mais c'est pas Raikou. C'est une catastrophe. Enfin, vraiment, je m'y fasse au nouveau nom. Alors, on peut regarder un peu le check-up justement pour avoir les cartes. Alors, Serpente Eau, il est là. En Pokémon X par exemple, qu'on a en foulard. Très joli d'ailleurs, si on pouvait la sortir ce serait cool. On a Ir Foudre X, donc qui fait un petit rappel à Raikou. On a également, comme vous pouvez le voir en alternative, elles sont très très belles. On a Chef de Fer, on a Roc de Fer et Vert de Fer. Je crois que c'est lié à Viridium, Colbatium. J'ai plus les noms exactement, mais voilà, c'est lié à ces Pokémon légendaires. Et on a aussi ce qui est lié à Entei, je crois.
Feu persan, voilà, c'est feu persan qui est juste ici. Donc vraiment, il y a un petit beau tirage à faire. Hein. Même dans les dresseurs, elles sont plutôt pas mal. On a le dénouement de Bianca, on a Nefli. Alors j'avais sorti une Nefli sur l'ETB précédente, hein, qu'on avait fait avec Vert de Fer. Ouais, donc si on pouvait sortir du Tolter, pourquoi pas. Celle-là est sympa aussi avec Conviction de Mortimer. On voit justement Ectoplasma en premier plan, je dirais, donc vraiment plutôt cool. Il y a vraiment pas mal de petites cartes qu'on peut sortir. Ah, ce qui serait cool, c'est sortir les deux sur la même ETB. Alors, faut être très très fort, hein. Faut vraiment avoir une chance énorme. Après, vous direz, j'ai quand même pas mal de chance en ce moment. Surtout ce qu'on a fait sur la vidéo précédente hein, où le Dracaufeu est sorti. La Dracaufeu alternative, Dracaufeu AR de Destinée de Paldea. Ça, c'est un truc magique, c'est un moment très 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 fort. Si je pouvais faire des ouvertures comme ça tous les jours, bah, je serais plus que heureux. Donc voilà, on a pas mal de petits Pokémon. Alors, le petit Torterra en foulard qui me tend très bien aussi. C'est vraiment cool. Il y a vraiment de très belles cartes hein, qu'on peut sortir sur cette ETB. Et ce que j'aimerais bien, j'en ai pas sorti sur l'ETB précédente, ce serait sortir les cartes dresseurs, mais de couleur rose. Notamment la petite Master Ball, là, me botterait bien, là. Si je pouvais la sortir lors de cette ouverture de booster Pokémon sur du Pokémon Écarlate et Violet Force Temporelle, ce serait vraiment génial. Allez, on va revoir le contenu. Bon, vous connaissez la plupart des contenus des ETB pour tout ce qui est classique. Hein. Voilà, les dés en plastique également. Ça, on connaît déjà. J'ai enlevé son petit fourreau. On va récupérer les 9 boosters. On va bien vérifier qu'il y en a bien 9. Hein. On sait jamais, il y aura un petit bug. Sinon, faut faire une réclamation à Pokémon, The Pokémon Company. Alors, on a une chose que je voulais voir avant de démarrer les fameux ETB, c'est Flotte Mèche. Et ben écoutez, je la trouve magnifique. Vraiment très très belle la Flotte Mèche. Hein. Bah, très semblable forcément à Feu Faux Rêve, Magie Rêve, hein, en temps passé. Et je l'ai même limite plus classe de cette génération là. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Mais je le trouve vraiment pas mal. Bon, là on le voit un peu sur le côté, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais la carte est bien assez sombre, mais aussi bien colorée. Vraiment pas mal. Alors, j'attends vos retours en commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le petit Flotte Mèche, je le trouve cool. Alors, les fameux protège-cartes avec Serpent O. Ça y est, je commence à y arriver à dire Serpent O au lieu de Suicune. Donc, on a des petits protège-cartes qu'on pourra utiliser si on le souhaite lors de cette ouverture. Et on a toujours... Alors, le grand classique, le paquet d'énergie. Ça, il y en a toujours dans chaque ETB. Je sais plus quoi en faire, d'ailleurs, les énergies. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, pour la carte promotionnelle de Flotte Mèche, si vous voulez en profiter, voilà, il y a le petit code, il y a le QR code, si jamais vous utilisez pour le JCC Pokémon Live, n'hésitez pas. On a les 4 séparateurs, c'est bien si on veut faire un peu des decks différents. À la base, les ETB servent à ça. Hein. Nous, on s'en sert pour les ouvrir pour la collection, mais à la base, c'est... C'est un coffret dresseur d'élite, il faut dire ce qu'il est. Hein. Allez, je vais ranger tout ce qu'on connaît en classique. On va revérifier les boosters si tout y est. Non, il n'y a pas de souci. Et je vais mettre le TB de côté. Et j'espère qu'on va pouvoir se faire plaisir sur cette ouverture. Si je peux partager ça avec vous et qu'on sort des merveilles, bon, franchement, je dis oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a bien les 9 boosters. Bah... Le plateau est prêt, on a de la place, et ben, let's go, c'est parti. Alors, je vais mettre un peu de protège-cartes là qui me restait un peu en rap. Faudra que je retrouve quand même des petits protège-cartes. Celles-ci, alors, ils sont rigides, ils protègent bien. Après, c'est vrai que pour ranger les cartes, faut y aller mollo, parce qu'on peut les abîmer facilement. Après, il y a des cartes où, effectivement, qui sont beaucoup plus souples en transparent, mais c'est un peu moins rigide. Donc, à voir qu'est-ce qui est le mieux. C'est vrai que j'ai reçu un commentaire par rapport à ça. Qui avait des chances de les abîmer. Après, bon, si on fait attention, il n'y a pas de souci. Est-ce que je reste sur ces protège-cartes-là ou sur les rigides qui sont proposés par Pokémon, quoi. À voir, à réfléchir. Allez, c'est parti. Ouh, j'allais couper en 4. On n'est pas sur du épée bouclier. Calmons-nous, calmons-nous. Et on démarre avec une petite énergie combat. Mediena. Suivi de Tortipousse. Abo. Carvana. Hurluque, temps passé, j'ai l'impression qu'il sort beaucoup, lui, sur cette série, sur la série Force Temporelle de Pokémon Écarlate et Violette, j'ai l'impression qu'il sort quand même pas mal. Minotaupe, Archéodong. Allez, la première reverse avec Pois Chichon.
Oh, le beau Scara. Aïe, 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 oh, elle est magnifique, les amis. Elle est super belle. Ah ouais. Beau Scara, en alter, suivi de... Un petit corail d'eau en temps passé en holo et à la fois reverse. Oh, magnifique aussi. Super belle. C'est un très beau booster, ça. Très, très beau booster. Bah, j'adore. Alors, ce que je kiffe sur l'illustration de Beau Scara, qui était l'un des starters, hein, à savoir... je sais plus si c'était G4, C5, corrigez-moi en commentaire, je ne sais plus. Je crois que c'était G5, à vérifier. Hein. N'hésitez pas à me corriger, parce que je confonds un peu avec les générations à force. On a le petit Maril sur le dessus de Beau Scara, et c'est ce qui donne un peu son charme. Je crois qu'on a les tourniers juste au-dessus également. Bah, vraiment super cool. Vraiment magnifique, celle-ci, elle va rejoindre direct la collègue, parce que ça, c'est vraiment cool. Il est très bien représenté, dans le champ, là, tout autour de lui. En plus, on voit un vide, enfin, tout un continu dans le champ. Elle est vraiment belle, elle est belle. Ah, je suis amoureux, ça. Je suis amoureux de la carte. Non, vraiment très très bien pour un premier booster. Bah, ça fait plaisir. Alors, pourvu qu'on continue sur cette lancée. Décidément, en ce moment, on a quand même pas mal de chance hein, sur ces ouvertures. Hein. C'est quand même pas mal. Ok, donc voici pour le Beau Scara. Premier booster, première sortie. Et le petit corail donc qui est vraiment pas mal aussi. À la fois holo et reverse, on a quand même le côté comme ça. Ça fait un petit. Bon, c'est une holo à la base, mais du fait qu'ils aient rajouté la surbrillance, bah vraiment très très cool. J'adore. Ah, le premier booster, j'ai kiffé. Hein. Là, j'ai kiffé. Bah, pourvu que ça continue sur cette série Pokémon et Karaté Violette Force Temporelle. Et on passe au deuxième booster. C'est parti. On est bien lancé là. On est bien lancé. Allez, deuxième booster. Ah, si ça continue comme ça, si j'ai une chance inouïe, on va rouvrir du Destiny de Paldea. Hein. Qui peut-être on sortira de nouveau la Dracaufeu AR, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous souhaitez que je rouvre du Destiny de Paldea avant qu'on n'en ait plus. Parce que ça part quand même assez vite. Ou après, voir si on a des nouveautés sur les nouvelles séries qui vont arriver. Bah, j'attends vos retours, n'hésitez pas. Allez, on démarque une énergie acier. Monsieur Mime. Colombo. On a Charmina, ouais, Larvibule, tout mignon le Larvibule. Alors, dénouement de Bianca, qu'on peut avoir en AR aussi, je crois. Je crois qu'elle est en AR, il me semble. Tingalis, oh, je vois ça brille sur le côté. Je crois qu'il sent bon ce booster, je ne fais pas exprès. Je crois qu'il y a quelque chose, ça brille assez fort. Ou je me plante, des fois ça veut rien dire. Alors, premier reverse avec Arbok. Deuxième reverse avec Tortibus. Non, ça brille normalement, quoi. Il n'y aura rien de spécial. Ouais, ouais, faut pas se faire des folies comme ça. On a un petit Drahul en holo, qui est très très bien. Petit Tortibus en reverse. Alors, je voyais que ça brillait énormément. J'ai cru qu'il y avait une gold. Après, j'ai vu que j'ai rien sorti sur l'avant-dernière carte. Non, je me suis dit que c'est pas possible. Allez, on continue. Troisième booster sur la série Pokémon Écarlate et Violette Force Temporelle. On y va. On balance tout. En tout cas, elle est très très belle, l'ETB. Alors, si j'avais à choisir entre les deux ETB de Force Temporelle, c'est celle que j'ouvre actuellement quand même. J'ai niveau visuel, elle est quand même plus jolie, hein, celle-ci, je trouve. Je vous remonte un peu la devanture. Ouais, elle est vraiment quand même pas mal. Hein, j'aime bien. J'aime vraiment le design par rapport à celle que j'avais fait en verte. Même si celle en verte est très jolie aussi. Hein. Les deux sont jolies de façon, mais après, c'est plus niveau préférence. Hein. J'ai plus un petit coup de cœur sur celle-là. Allez, on continue. On est sur le troisième booster. Alors, une énergie spectre. Suivi de Voltoujou. Azumarill. Charby. Aflamanoir. Ouais. Oh, le petit Forivore. Oh, il est joli. Et il est bien le design. En plus, il est deux faces. Il a l'air bien vénère. Il veut te charger comme un fou, là. Il te fonce dedans, t'as mal aux fesses. Faut dire ce qui est. Bah, tu le vois chargé là, tu dis oulala, qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis pas, c'est la fin. Non, le fort ivoire comme ça, au niveau du design, j'adore. En temps passé. Franchement, les temps passés qu'ils ont fait sur le côté, elles sont vraiment belles, j'adore. Hein. Même le temps futur, ils ont mis un peu un côté. Bah, ça fait un futuriste, faut dire ce qui est. Mais c'est vraiment pas mal. Allez, on continue avec Ténéfix. Suivi de Pachmia. Doudouvé. Allez, première. Premier reverse Doudouvé. Deuxième reverse Gripat. Je pense qu'on n'aura rien sur ce booster. Oh, un petit. Petite épine de fer. Qui est vraiment jolie également. Je crois que j'ai eu l'occasion de la sortir déjà sur un booster. Celle-ci, je sais plus. Épine de fer en temps futur. Ouais, très jolie. Ok. Rien pour le moment. C'est-à-dire que ça va arriver dans pas longtemps, champ. On continue.
Je crois qu'on est presque à la moitié, quatrième booster. Allons-y. Est-ce qu'on va pouvoir sortir autre chose? J'espère vous faire plaisir sur cette vidéo, sur cette série de Pokémon écarlate et violette, force temporelle. Il y a moyen de faire des petites merveilles. Sur les ETB en général, on s'en sort plutôt pas mal au niveau du ratio. Allez, énergie électrique, suivi de Terral. Ouais, Terral, c'est ça. Out. Oh, Boumata, il est pas mal au niveau du design. Ouais, c'est sympa. Bien prononcé, en fait, au niveau de sa silhouette. Hein. Assez spécial, le design. Ouais, bon, c'est original. Ok. Medidika. Et les câbles. On a Sinistrel. Oh, tête de fer en temps futur. Sympa. Allez, premier reverse avec Paume du Pic. Deuxième reverse avec Charby. Je pense qu'on aura un sur ce booster. Le petit chef de fer ex en full art. Bah, ça c'est fait. Ok. Bah ouais, je dis oui. Faites-moi pleuvoir des petits pouces bleus pour ce petit full art, les amis. Oh, trop bien. Chef de fer ex, c'est fait. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle, hein, au niveau du design. En temps futur, forcément, avec l'arrière-plan, c'est bien représenté. Ils ont bien vraiment bien respecté ça. Elle est magnifique, cette chef de fer. Alors, c'est marrant, on les voit sur le catalogue, tout ça, sur le guide de jeu. On dit, ouais, c'est sympa. Mais dès l'instant qu'on a l'occasion de les palper comme ça, de les présenter, bah, ça n'a rien à voir, hein, y a pas photo. Hein. Là, je vous la présente. J'ai l'occasion de la toucher un peu. Elle est vraiment pas mal en type psy. Vraiment génial. Hein. Bon, un petit cadrage un peu relevé. Un peu sur le haut, un peu remonté, mais ça reste correct. En tout cas, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. Et ben, petite pochette, et on va pouvoir passer au prochain booster. Donc, le petit chef de fer ex qui a bien pointé le bout de son nez comme il faut. Oh, ça, je valide, et je pense que vous aussi. Nickel. Ok, on va la mettre là. De toute façon, je la remontrerai avant la fin, juste après l'ouverture de tous les boosters. Bah sur cette ETB d'Écarlate et Violette Force Temporelle, on est pas mal. Hein. Pour moi, ça démarre bien. On va continuer, c'est parti. Il nous reste quelques boosters après cela. Il nous en restera... Ah, il nous reste quand même 4. Ah ouais, ok. Allez, on démarre avec une énergie. Feu, Mistibule, Paume du Pic, Poichijon, Vivaldin, Keldeo. Ah, Keldeo, j'aime bien ce Pokémon, il est génial. Il est assez marrant, on n'a jamais trop parlé, mais il est cool. Roserade, magnifique aussi comme Pokémon. Oh, le Chimetalos. Ok. Alors, le Volcaropod en reverse, il est vraiment pas mal. Avec son escargot qui est en train de... enfin, son escargot, sa coquille qui est en train de brûler là. Oh lolo. Suivi de une deuxième reverse avec Azumarill. Est-ce qu'on va avoir quelque chose sur... Oh, il y a une petite texte là. Une petite ex. Oh, bah tiens, on parle de verre de fer. On l'a sorti en full art et on la sort en ultra rare. Ok, bien. Oh, j'ai l'impression que le verre de fer est mis en valeur sur cette ETB. Alors, ce qui serait génial, c'est qu'on soit carrément l'alternative de... Ah non, c'est verre de fer, là, je confonds avec chef de fer. C'est pas les mêmes. Oh, attention, j'ai des bêtises. C'est pas les mêmes. C'est de la même génération, ok. On est sur du temps futur, ok, mais c'est pas les mêmes. Ouais, voir si on peut sortir une petite alternative dans le même esprit des Pokémon temps futur. Bah, pourquoi pas, hein. Il nous reste 4 boosters, allons-y. Essayons. Allez. Et après celui-ci, il nous reste 3 boosters. On va essayer de sortir 2 belles cartes. Allons-y, toc. Allez, pour le GC Pokémon Live, profitez-en. C'est offert, comme d'habitude. Hein. Je vous en fais cadeau. Allez, on démarre avec une énergie. Oh, ah, Kaiminus, j'avais déjà vu cette carte et je suis toujours aussi amoureux de ce design. Il est magnifique. Trop bien ce Kaiminus. Il est vraiment bien représenté. De tout ce que j'ai pu voir des Kaiminus, hein, cette illustration est vraiment très jolie. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je la trouve cool. Granipio. Meltan. Topico. Charpedo. Ouais. Ah, le design, il est assez énervé, ouais, ok. Oh, un petit garde de fer. Garde de fer en temps futur. Ok. Oh, Zeraora, j'adore le design aussi. Oh, celle-là, si je pouvais la sortir en holo, ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Alors, le Pifeuille en reverse. Ok. Deuxième reverse avec Frissonille et... Ce sera une brillante.
avec Farfaduvé. Ok, rien de spécial sur ce booster. Il nous en reste 3, on continue. Allons-y. Allons-y, allons-y. Allez, le petit code, comme d'habitude, c'est offert. Profitez-en, si ce n'est pas utilisé. On démarre avec une énergie ténèbres. Doudouvé. Pidgeotto. Ponyta. Les boulets roux. Salvio. Oh, Fort Ivoire. Ouais, pas mal le design de Fort Ivoire aussi. Ah ouais, il y a des cartes quand même en holo que j'aurais bien voulu sortir, notamment celle-ci. Fort Ivoire si elle tombe en holo ou en reverse, franchement, bah, ce serait génial. On continue avec Lucanon. Allez, premier reverse avec Graïla. Deuxième reverse avec Bourmata. Et on terminera avec une Vire Voreur. Alors, j'ai pas forcément d'attache sur ce Pokémon en holographique, bon, c'est bien. Mais pas plus d'attache que ça. Allez les amis, il reste 2 boosters. On va essayer de sortir au moins une dernière, ça serait cool. Même si déjà c'est bien, on a sorti quand même la Boscara, la Full Art, l'Ultra Rare avec Vert de Fer X. Ok, je vais garder le petit Serpent haut. Un petit clin d'œil par rapport à l'ETB, hein, du fait que c'est l'illustration. On va voir si ça nous porte chance. Bon, après, si on sort rien, c'est déjà très très bien. Après, idéalement, j'aimerais quand même sortir encore quelques beautés. Bon, comme d'habitude, je suis gourmand. Je suis toujours gourmand sur les cartes Pokémon, mais je pense qu'on est tous pareils. On a envie vraiment de sortir de très belles cartes, ce qui est normal. Hein. Ce qui est totalement normal. Allez, on continue avec une énergie acier. Vivoran, Electek, Skitty, un sécateur, Labo Métal Pur. Fortress, alors elle est marrante l'illustration, là on dirait qu'il est tout mignon, tout simple, il bouge pas, il est tranquille dans son coin. Ok, j'adore. Suivi de Beraska. Ouais, sympa. Allez, première reverse avec Flamiaou, petit Flamiaou. On continue avec une deuxième reverse avec Grain Golem. Et ça se terminera par une brillante avec deux sauts lourdeaux. La petite holo qui est ouais, quand même pas mal, ouais. On dirait qu'il est sous terre là, c'est bizarre. Ouais, il est sous terre, j'ai l'impression. Marrante l'illustration de sous lourdeau. Ok. Alors les amis, sur cette série de Pokémon Écarlate et Violette, il nous reste le petit Serpent-Eau en représentation. Donc de la série Force Temporelle. Hein. On va essayer de sortir. J'aimerais bien sortir. Une petite beauté pour le dernier booster, ce qui serait plutôt pas mal. On a déjà vu en vidéo hein, de ce que j'ai pu présenter, hein, c'est déjà arrivé. On a eu des beautés sur les derniers boosters. Bah, j'espère que ça va arriver sur celui-ci. Après, si on termine sur quelque chose de normal, ce n'est pas grave. Allez, énergie psy. Rototop. Bombinu. Roselia. Girafaring. Décodage des cryptomanes. Même les dresseurs, j'ai pas sorti les roses. J'aurais bien voulu sortir une petite rose là. Ça aurait été cool. Shaymin. Ok. Golemastock. On dirait qu'il est un peu triste le décor là. Comment ça se passe. Ça fait un peu triste sur la carte. Allez, la première reverse avec un sécateur. Et je pense qu'on aura un sur ce booster. Symbiose en deuxième reverse. Et on va terminer, à mon avis, par une brillante... Oh, un petit alligator en holo. Ok. Bon, c'est quand même très très bien. Mais non, le alligator en holo, il est beau, hein. Bon, là. À vérifier si je l'ai. Je ne sais pas si on l'avait ouvert sur la première ETB. Je ne sais plus. Mais le alligator, il est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Ok. Eh ben, on a terminé pour cette ouverture de Booster Pokémon. On était sur la série Pokémon Écarlate et Violette. De Force Temporelle, je vous remontre les cartes qu'on a obtenues sur ce coffret. Alors j'ai laissé la corail. Allez, on se refait un petit tour de table sur ce qu'on a pu trouver sur Pokémon Écarlate et Violette de la série Force Temporelle. Donc on va démarrer avec une petite carte, j'ai bien aimé, c'est le petit Coraidon en temps passé. Alors c'est une holo, hein, mais après il y a un petit peu de reverse là quand même sur le dessous. Alors je sais pas comment on peut la considérer, mais je la trouve vraiment sympathique, j'ai bien accroché ce petit Coraidon vraiment bien représenté. On va continuer. Alors, une que j'ai adoré, bah,
qui est la carte promotionnelle, hein, c'est Flotte Mèche. Je trouve qu'au niveau des nuances de couleur, elle est pas mal. Un côté un peu rougeâtre, un peu sombre en même temps. Puis un bon petit clin d'œil à Feu Faux Rêve et Magie Rêve de la deuxième génération. Hein. Quand je vous l'ai dit, j'adore celle de la 2G. On a eu d'autres cartes qui sont pas mal, comme Vert de Fer X, que j'ai vraiment bien aimé. Plutôt cool également. Bon, en ultra rare, hein, classique, on peut les sortir assez régulièrement ces cartes-là, mais ça reste toujours sympa à obtenir. Alors, une qui était pas mal, je m'y attendais pas, c'est la petite Full Art, là, de Chef de Fer X, qui est vraiment jolie. Puis même avec l'arrière-plan, j'aime bien le côté temps futur, c'est vraiment pas mal au niveau du design. Vraiment très très cool. Et on va terminer, celle qui est le plus cool de ce coffret, que j'ai trouvé vraiment marrante et bien sympathique, c'est la Boscara. Boscara, en AR avec le Maril sur le dessus. Il y en a même un qui court juste après. On a aussi Etourny hein, qui vole sur le côté. Elle est vraiment très très jolie cette carte là. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit tirage. On peut mieux faire, mais c'est quand même plutôt sympa. Une ouverture qui était vraiment bien bien sympathique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne Les Petits Phoenix, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Chaque mercredi, on fait de l'ouverture de booster Pokémon, où je fais alors soit des coffrets, des ETB, des fois je peux faire une petite sélection de boosters sur 10, 12, 15, 20 boosters, voilà. C'est vraiment de faire une petite ouverture, de découvrir aussi un peu les nouvelles séries qu'on peut avoir, c'est vraiment pas mal. Et si un jour ça se présente bien, j'ai un peu de finance quoi, pourquoi pas ouvrir carrément une display. Franchement, ce serait pas mal également, mais revenir sur... des anciennes séries d'épées boucliers, pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère vous retrouver très bientôt, prochainement, pour de nouvelles ouvertures de boosters Pokémon. Allez, je vous dis à très bientôt pour des futures vidéos. Salut tout le monde!